Bonsoir à toutes et à tous. Le Maroc met fin à l'obligation du test PCR pour entrer sur son territoire. Dès ce mardi soir, il n'est désormais plus obligatoire de présenter un test PCR pour entrer au Maroc. Le pass sanitaire reste, lui, obligatoire. Le Maroc a supprimé l'obligation du test PCR pour entrer sur son territoire afin de favoriser le retour des touristes étrangers et les Marocaines résidant à l'étranger et soutenir un secteur vital pour l'économie nationale, selon un communiqué gouvernemental publié ce mardi soir sur Twitter par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. La décision, prise en prenant en considération l'amélioration de la situation épidémiologique au Maroc, est effective immédiatement. Bépass sanitaire toujours obligatoire. Le gouvernement d'Aziz Akanouche était sous pression des professionnels de l'industrie touristique. Pour sauver la saison et relancer un secteur dévasté par 2 années de pandémie. Nous sommes très contents. C'est une décision qui aurait dû être prise avant, mais l'essentiel est que ce soit fait, a déclaré le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, M. Lassen Zelmaou. Cela va encourager les Marocains résidant à l'étranger, qui reviennent au pays pour les vacances d'été, ainsi que les touristes étrangers, s'est félicité M. Lassen Zelmaou. En revanche, le pass sanitaire reste obligatoire pour accéder au territoire marocain. Le 7 février, le Maroc avait rouvert son espace aérien, après plus de 2 mois de fermeture, pour tenter de sauver la saison touristique. Tous les voyageurs devaient être vaccinés contre le Covid et avaient l'obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, en plus du pass vaccinal. À leur arrivée aux aéroports, les voyageurs étaient en outre soumis à un test antigénique et des tests PCR étaient effectués de façon aléatoire sur les passagers. Des mesures jugées trop contraignantes par les voyagistes et les hôteliers.